Josephine, ça y est, coubloum,
kwen Wabiku mbuti mbongo Mwoban shinkang kalal na kwanji Dweje shiki Waka mjisangungu Shia bado be Kumu mbali liton Muta kumuini Mwoban wabiku mbu msesese kufuka Lakta Ababan Sumbinu ufuntano Waka kufi achipakala na kufi atemti Batin zambu zi menzambu se shimpuwe Abu Yeah C'est douloureux. Vous savez, quand on perd un monarque, comme Makoso IV qui était rassembleur, c'est véritablement douloureux. Mais comme nous savons qu'il allait rejoindre le monde des aïeux, nous faisons avec, car la volonté de Dieu prime. C'était un homme extraordinaire. Pour ne dire que cela, c'était un homme extraordinaire, un homme qui avait beaucoup de bon sens et beaucoup d'amour. Il savait rigoler, il savait mettre l'autorité, il savait mettre l'harmonie entre les hommes. La preuve, c'est qu'il fait partie du consortium des rois d'Afrique. Donc c'est au cours de ce consortium que nous nous sommes rencontrés au Cameroun, au Bénin et ailleurs. Chez nous, les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Déjà, vous savez, toutes nouvelles, on ne les accueille pas souvent bien. Mais parfois, ils peuvent être aussi sujets de prophéties. Donc moi, en tant que Patrick Tshikaya Moué, donc je suis Moué Patrick Tshikaya, gouverneur du Gabon, représentant le Malouango au Gabon, je crois que ce que je peux dire, si vous voulez me poser la question plus tard, c'est que ça ne suffit pas d'enterrer un monarque, il faut qu'on continue l'œuvre du monarque, de tout le Louango. Le Louango doit être un et indivisible. Il n'y a pas que le Vili, il n'y a pas que le Pounou, il n'y a pas le Guissir, il n'y a que le Louango. Et je crois que c'était la vision de Moué Makoso IV. Alors, dans la joie qui est la nôtre, d'enterrer notre monarque, je demanderai à ce que les Louango, on devienne très forts et unis. Qu'on construise et qu'on dit Mouek Mous. Le roi Makoso Moué IV a été un homme pragmatique, un homme du réalisme. Et il a voulu faire de ce royaume une identité remarquable en Afrique et dans le monde. Vous avez vu comment il a ouvert le royaume dans le monde. Et si vous regardez bien, il y a beaucoup de royaumes qui sont venus nous assister, en commençant notamment le royaume Bateke, ici présent. Et nos amis du Bénin, du Gabon, ils sont aujourd'hui. Il était vraiment très ouvert. Il a ouvert son royaume. Et nous le regrettons parce qu'il n'a pas achevé son programme qu'il a bien voulu mettre en œuvre. Nous avons pratiquement travaillé pendant 11 ans ensemble et avons réalisé beaucoup de choses. C'était pénible, pénible. C'est un roi qui a voulu révolutionner les choses. Un roi moderne qui tenait compte du développement tout azimut du pays et qui quelquefois était obligé d'agir malgré les critiques, parce que chaque fois qu'il se déplaçait, on disait non, le roi n'a pas le droit de sortir, mais il est allé jusqu'à Dolisi parce qu'il voulait que son royaume soit bien géré, étant donné que le royaume s'étend jusqu'aux confins de Mindouli. Nous avons commencé à installer l'administration royale dans la région du Niari.
on devait continuer jusqu'à l'Alekoumou, la Bouenza et le district de Mindouli. Bon, nous avons fait un très grand travail avec lui et j'espère que ce travail ne sera pas rangé dans les pupitres. Thank you.
Le Malouango Mouemakoso IV qui a rejoint les ancêtres en date du 23 décembre 2020 est arrivé ce mercredi 27 janvier à Pointe-Noire. Sa dépouille mortelle au mortuaire, si vous le voulez bien, a été reçue à l'aéroport par les parents, amis et connaissances, mais également et de manière notoire, Madame l'épouse du chef de l'État, Antoinette Sassou Nguesso, et les officiels des départements de Pointe-Noire et du Kwilu. À partir de l'aéroport international Antonio Agostino Neto de Pointe-Noire, le cortège funéraire s'est ébranlé jusqu'à Diosso en passant par la stèle du 15 octobre 1997, le carrefour de Le Caressé au centre-ville, la place de la République, le rond-point sympathique, le rond-point de Loubou. Finalement, c'est à sa résidence de Diosso que se trouvent les obsèques qui vont devoir durer 8 jours. L'inhumation interviendra en date du 3 février au cimetière royal. Entre-temps, une série d'animations traditionnelles se déroule au niveau de sa résidence de Diosso. Depuis la résidence royale de Diosso, Guy Serge de Moisa pour le compte de MCRTV Panton FM.